Alors que les forces irakiennes progressent lentement vers le centre de Mossoul, les habitants tentent de survivre à l'offensive lancée le 17 octobre dernier contre l'un des derniers bastions de l'État islamique dans ce pays. Bagdad a envoyé hier une demi-douzaine de camions d'aide alimentaire dans les quartiers repris aux islamistes. Une aide bien maigre pour cette ville de plus d'un million d'habitants. Selon les Nations Unies, les djihadistes ont contraint des dizaines de milliers de personnes à quitter leur foyer dans certains secteurs autour de Mossoul. Des civils utilisés comme boucliers humains, selon les témoignages recueillis par les rares Irakiens qui ont réussi à fuir les zones occupées par l'État islamique.